J'aimerais que tu nous parles un petit peu, toi, de ce respect que tu as envers la pêche, que tu pratiques très régulièrement et en réfléchissant bien. Je pars du principe que si on ne respecte pas la mer, les poissons, les tailles de reproduction et non pas les tailles légales, parce que maintenant, les tailles légales n'ont plus rien à voir en ce moment sur des tailles juvéniles légales. Donc, je pense qu'actuellement, par rapport à ce fait de perdition de poissons, il faudrait renforcer la réglementation en Méditerranée, qui est, je ne sais pas pourquoi, différente de celle de l'océan, alors que le poisson se reproduit, que ce soit à l'océan ou en Méditerranée, à la même taille. À l'impact que c'est quelque chose de différent. Au premier ferrage, il m'arrache tout, il me casse tout net en un coup. Donc je me doute, hein, parce que c'est pas la première fois que j'avais affaire à ce poisson. Je me doute qu'il s'agit donc d'un tassargal. Je commence à regarder si j'ai quelque chose de plus adapté pour ce poisson-là. Puisque j'étais au vif, au nylon, à la touche, il me coupait le nylon net. Donc je décide de mettre un leurre de surface flottant, assez long, on va dire entre 10 et 15 cm, pour pas qu'il atterrisse au fond de la gueule et qu'il puisse quand même couper le fil. Et puis il s'est avéré qu'au premier lancer, je tape le premier, c'était pas le plus gros le premier, donc de lancer à vide, je tape donc le plus gros et là je... J'ai tellement d'adrénaline, tellement je sens, j'ai pratiquement usé de ma force complète, presque. En tout cas, je n'ai pas de souvenir d'avoir utilisé autant de force pour un poisson. Et là, tu le sors. Pas si facilement que ça, hein. Le plus gros pas si facilement que ça, parce que c'est très combatif. Ils essayent absolument de t'arracher tout, de tasser. Donc ça commence sous l'eau, ça part à droite, à gauche, dans tous les sens très fort. Et plus ça se rapproche du bord, ça commence à sauter en l'air, à mettre des coups de tête comme font les chiens quand ils s'amusent avec un os, pour arracher le leurre, pour arracher s'il peut la canne, les bras, la canne des bras, enfin, c'est vraiment très impressionnant. Après, la pêche, ça se passe tellement vite que c'est après coup qu'on se rend compte des choses.